Aujourd'hui, on découvre Sniper Elite 4 qui m'a l'air d'être un très bon jeu. Donc, si tu veux découvrir le jeu ou juste passer un bon moment en ma compagnie tranquillement, et bah t'es le bienvenu. Donc, c'est parti, on va lancer. 1943. Un monde en guerre. Plongé dans la tourmente. Nous avions mis fin à la campagne d'Hitler en Afrique. Mais ensuite, Churchill a poussé les Alliés à envahir l'Italie. De mon côté, je me rends à San Cellini, une île isolée au sud-ouest de l'Italie. Nous devons savoir ce que les nazis préparent et comment les arrêter. Un haut gradé de la Luftwaffe se trouve sur l'île. Le général Tobias Schmidt. Tout le monde sait qu'il a les faveurs d'Hitler. Schmidt ne se laisserait jamais prendre vivant et il ne trahirait jamais son cher Führer. Mais il a peut-être des informations exploitables sur lui. Ma mission, tuer Schmidt et tous les officiers de haut rang. Et puis dégager. Ok, c'est parti, donc je suis un soldat américain envoyé pour tuer Schmidt. Là, je vois un soldat en haut et je vais devoir le tuer. Comment j'escalade? J'imagine que faut... Voilà. Je peux éliminer ce type sans faire le moindre bruit. Ah, c'est pour ça que je pouvais pas prendre mon arme. Oh, je l'ai mis dans le cœur. Le couteau dans le cœur. Ok, ça commence direct. Alors, B pour les jumelles. Je vois des Allemands. Je vois des nazis. Ok, je peux les ping. C'est pas mal, ça. Je peux les déping et ping. Ok. Ah, mais faut que je tire sur la poulie. Ok. Quoi? Peut-être que c'est là qu'il fallait tirer. Voilà, c'est bon. Heureusement qu'ils m'ont pas, qu'ils ont pas réagi et tout, parce que sinon... Et donc, le canon, il va les tuer. Ok, j'ai capté. Double frag. Tout en douceur. Bien sûr, tout en douceur. En plus, ce qui me plaît beaucoup, c'est que c'est un jeu à la Hitman. Et moi, Hitman, j'ai trop kiffé. C'est littéralement Hitman, mais à la guerre. C'est genre, c'est trop bien. Alors, où est-ce qu'il y a des ennemis? Non, là, il n'y en a pas. Oh, j'ai trop envie de... que après ça parte en fusillade. Parce que moi, vous me connaissez à chaque fois. J'ai envie de faire les trucs clean, discrètement et tout. Mais après, ça part en les fusillade, je tire de partout. Peuvent me camoufler. Mais moi, je vais pas me camoufler, moi. Tout le monde va me cramer. Tuer les officiers nazis par tous les moyens. Ah, tous les moyens? Moi, c'est fusillade, le moyen. Attends, on va y aller, on va y aller. C'est les oiseaux, ils m'ont fait peur. Non, je vais pas leur tirer dessus, ils ont rien demandé. Eux, ils sont libres. Car 98K, comme sur Warzone. Là, je prends ça. Oh, toute la distance où je vois, par contre. Genre, attends, si je prends mes jumelles... Pourquoi je vois un nazi tout là-bas. Mais je vois... Tout là-bas. J'ai repéré un nazi à 400 mètres. Mais c'est trop bien. Et d'ailleurs, vous connaissez l'histoire de... du mec qui a tué, je crois, plusieurs dizaines, voire même plusieurs centaines de personnes. Et c'était un sniper, il se camouflait dans la neige et tout. Je sais pas c'est quoi son nom, mais ça m'a l'air vraiment intéressant. C'est bien beau, mais maintenant, faut suivre l'objectif. Ok, c'est ces caméras là-bas que je dois péter. Voilà une belle démonstration de propagande, mettant en scène l'orchidéa. Hop, discret, discret, tu te recamoufles. Confidentiel, triangulation. Les bruits et les tirs non mortels et drôles les ennemis à déterminer où vous situez. Ah merde, ça veut dire qu'ils peuvent savoir où je suis. En même temps, c'est logique. Me dis pas que lui, il m'a vu, là. Lui. Non, il m'a pas vu, juste il a peur. Voilà, qu'ils viennent, ces kleps de Baptou. Mais quand même, c'est un nazi, donc faut le tuer. Et en plus... Oh, dans la bouche. Aïe, 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 tire à la tête. Oh, c'est trop bien, les animations, quand on tue les gens. Donc, c'est quoi la prochaine mission? D'abord, on va tuer des officiers nazis. Y'en a un qui m'a vu? Mais non. Ah, lui, là-bas. Attends. Pas moi. Attends, il est pas mort. Tu souffriras comme les juifs que t'as fait souffrir. Ouverture grillée. Merde. Ok, faut que je bouge. Non, quoi? Mais non, mais... je vous ai dit ou pas que j'allais tout faire capoter? De toute façon, j'ai ma Thompson. Après, je suis sur Call of Duty, là. Eh, je claque là, ce! Y a pas de nazis ici. Vous êtes fous, quoi. On va prendre le petit pistolet. Par contre, à quoi est-ce qu'on reconnaît un officier? Et au pire, j'ai tué tous et puis je tuerai bien des officiers, hein. Et du coup, on m'a pas entendu parce que c'est un... Attends, je vois un véhicule sur la map. Est-ce qu'on peut rouler sur les nazis? Non, on peut pas. Là-bas, il y a une maison. Il y a sûrement un nazi caché. Je vais pouvoir le tuer discrètement. Ah, bah voilà. En plein dans les dents. Bon, c'est gore, hein.
mais c'est stylé. Et ils ont dû se régaler, les animateurs qui les ont fait. Enfin, les développeurs. Oh, finalement, ça va, du coup, là, je suis plus cramé. Mais à mon avis, ils ont le renseignement entre eux que faites gaffe, il y a un intrus. Je vais faire la mission tuer les officiers parce qu'en fait, j'ai compris, j'étais pas à la bonne position pour le faire. Donc, pour tuer les officiers, il faut aller là-bas. Ok, c'est ici. Ah, mais ça va, en fait, si, j'avançais bien vers l'objectif, mais pas directement, quoi. Là, ils me voient pas. Parfait. Ils y vont discrètement, mais pourtant, ils sont dans leur. Dans leur propre camp, donc je sais pas pourquoi ils font. Ou alors ils cherchent l'intrus parce qu'ils savent du coup. Ah non, on voit rien dans les bushs. Hein. Il sait pas d'où ça vient. Ah, regarde, il fuit. Il y a son collègue qui vient, mais ils sont débiles, ils ont inversé les rôles, mais tu te dis pas que. Tu vas prendre ta tête. Bah oui. Ah là, je peux voir avec le sniper à travers. Oh, let's go. On dirait il m'a vu, mais en fait non. Mais on dirait vraiment qu'il m'a vu. Tir entendu, merde. Couverture grillée. On bouge. Il me faut une bonne couverture, puis je peux reprendre le fight. C'est bon. Il y a un mec qui arrive de là-bas. Ouais. MP40. Ah ouais, je l'ai fait agoniser bien lentement. Hein. Ah, moi je pense, balle de sniper dans la tête, tu meurs sans souffrance. Hein. Après, d'un côté, est-ce que j'ai envie de les tuer sans les faire souffrir? Je me rapproche de l'objectif parce que là j'ai trop traîné. Corps trouvé. Il est tout derrière le corps, ils m'auront. Wow. Il y a un officier. Art officier. Nous devons vous tuer car. Vous êtes Nancy? Mais attends. Tu as rejoint ma liste de cibles. Jure, j'ai loupé. Mais non, mais c'est vraiment des PNJ jusqu'au bout, quoi. Ouais. Ebanor! Adolf Hitler! Nine! Non, pas, allez, MP40. Je voulais être discret un petit moment, mais un moment. Est-ce que je tue en noscope? La vérité, je l'ai. Ah non, je pensais que j'avais touché. Voilà, dans le foie. Comme ça, ils souffrent bien. Couverture grillée, t'inquiète. Grillée, pas grillée. Eux, ils ont bien fait griller des juifs. Alors nous, on peut faire griller la couverture, t'inquiète. Oh, je sais ce qu'il faut que je fasse. Là, depuis tout à l'heure, je leur mets la balle dans la bouche, dans le crâne, tout ça. Là, mon pote, je vais mettre balle dans les boules. Ça veut dire, je vais les castrer. On m'a vu. Ok. Ah, y a pas de... Couverture gré. Mais non. Non, je vais pas mourir quand même. J'ai une mission. C'est bon, en fait, je sais ce que je vais faire. Ouais, j'ai pas fait exprès. La vérité, on peut péter le camion. C'est bon, je suis camouflé. Alors, bandage. Comment qu'on fait? Ah, non, je suis pas camouflé là, mon pote. Donc, hop, voilà, bandage. Je me heal rapidement. C'est bon, du coup, j'ai compris pour la TNT. Attends, ça arrête le jeu quand je suis dans le menu, là. Ok. Hop. F. Elle est sur moi. Oh, le con, j'ai mis la TNT devant moi. Je voulais la balancer. Cette fois, on va la jouer discret. Pas de bêtises. Donc, ce que je vais faire, je recule, je les snipe, puis je reviens en fonçant. Voilà. Comme ça, je chope une bonne petite pause et je les snipe. Oh, allongé, comme ça. Jamais ils me verront. Attends. Impossible qu'on me voie, là. J'avais dit, je devais en castrer un. Qui c'est que je castre? Est-ce que ce serait pas toi, tiens? Elle a traversé le cœur. Ouverture grise, c'est pas vrai. Ah! Ok, tout à l'heure j'aurais dû poser une mine. C'est bon, j'ai compris. Dans la tête, et toi? Eh, quand même, je galère bien, hein. C'est pas normal. Il y a un nazi juste à côté, là, mais je le... Ah, c'est lui. Bon, je pense qu'on va aller direct vers là-bas, hein, dans la villa de Schmidt. C'est bon, là, mes poumons, ils battent vraiment fort. Attends, quoi? Qu'est-ce que je raconte, moi? Non, mon cœur. Il réagit comment si je lui dis bonjour? Coucou, ça va ou quoi, mon pote? Oh, attention. Regarde l'euro riche. Est-ce qu'il y aura-t-il pas une caméra? Là-bas. Voilà, toi tu prends ta balle dans les dents. Non mais ça se passe comme ça en fait. Toi aussi. Toi tu prends. Bah même pas d'animation, on perd pas de temps. Allez, je rentre dans le badge. Je ne dois pas faire patienter la vedette. On va y aller vite fait, t'inquiète pas, on va faire patienter personne. On va trouver Schmidt. Où est Schmidt? S'il vous plaît. Ah jure, il faisait du pain. Ah bah forcément ils l'ont pris au français parce que. Le fromage, pareil. Schmidt! Il est là. Il est mort. Mourez, nazi!
Ah, mes voisins, ils vont m'entendre, ils vont me prendre pour un fou. Je dois fouiller Schmidt et trouver des renseignements utiles. On va fouiller Schmidt et trouver les renseignements utiles. Mais d'abord, on va aller s'isoler un peu, mon pote. Toi et moi, toi et moi, on va... T'inquiète, rien de bien fou. Munitions pistolet. Attends, je l'ai tué alors qu'il avait rien, en fait. Ah, il y a de l'argent, là. C'est de l'argent, ça. On est d'accord. C'est des Deutschmark. Ah non, c'est des piles. Bon, maintenant, on va aller tuer les officiers, là-bas. Il est où? C'est lui. Il est mort. Allez, on bouge, on bouge, on bouge. Il y a un adversaire juste devant. On va le snipe. Préparez-vous, messieurs, dames. Voilà. Franchement, le jeu, il est bien sympa. Hein. Je kiffe ma race. La vérité, j'ai tiré devant lui. Le jeu, il m'a aidé. J'ai vraiment tiré. La balle, il l'a même pas touché. Hein. Il y a un nazi qui arrive, là, ouais. Est-ce que je mettrai un petit flickshot? Il était beau. Ah, c'est un stand de tir ici. Non, non, non. Ouais, allez, après tout. Oh, le bruit métallique. C'est l'officier. On reconnaît à son chapeau. Voilà. Maintenant, on va tuer le prochain. Et d'ailleurs, tu sais que premier degré, c'est un truc qui me tente vraiment. De plus tard aller à l'armée, comme David Goggins, pour qu'on me pousse dans mes derniers retranchements, pour souffrir, pour devenir un homme meilleur, clairement. Parce que là-bas... Deviens une meilleure personne, pas comme les nazis. Elle est longue la balle, hein. Mais en soi, l'officier, je peux le snipe, hein. En fait, les officiers, ils ont une espèce de casquette. Ils ont un couvre-chef, en fait, sur la tête qu'on reconnaît. Genre, lui, il a un casque, typiquement, il est pas officier. Mais il mérite quand même de mourir. C'est pour ça que... Voilà. Oh, l'explosion de fou. Ah, là-bas, lui, c'est l'officier. Oh, c'est trop stylé. La vérité, c'était même pas prévu. Attends, le baril plus la balle. Oh, c'était magnifique. Lui et Lille, bien sûr que je suis Lille. Ah, par contre, là, je passe par le four crématoire. C'est pas fou. Ça pique. Mais c'est là-bas que je dois aller pour, dans ma barque là. Et voilà, on a fini la mission. D'ailleurs, si tu veux acheter le jeu, t'as le lien en description. Il coûte à peine 3-4 euros sur HRK. Donc, je viens de faire l'île de San Seleni. Et la prochaine fois, faut que je fasse le village de Bitanti. Donc, juste ici, je te propose une vidéo sur Hitman. C'est à peu près le même type de jeu. Moi, je te souhaite un bon visionnage et à tout de suite.